Ah purée, mais c'est... Il est bon le réglage là. Il est bon, ils nous ont, vous êtes sûrs? Et salut. Et salut moi du présent. C'est moi du passé et je suis dans une autre tranche temporelle et je suis désolé. Il fallait absolument que je vous fasse voir ce truc. Oui, et d'ailleurs t'as oublié de fermer ton micro, moi du présent. Oui, bah prends ton temps, hein, décontracte, c'est pas parce que c'est un live qu'il faut que tu sois stressé. En plus, je te suis en direct du coup, c'est génial. Vas-y, vas-y, ferme ton micro. C'est bon? Ok, j'y vais. Bienvenue dans The Big Gameovski, le nouveau numéro de ce lundi. N'écoutez pas ce grand badaboué qui a précédé. C'est moi, le vrai Monsieur K, puisque je suis actuellement en train de voyer entre Antares et une destination que vous ne voulez pas savoir. Et il m'arrive quelque chose d'extraordinaire. Mais quelque chose de génial. Quelque chose qui m'a rappelé que quand même, aux origines du jeu vidéo, on n'avait pas des belles présentations, on n'avait pas des personnages avec des boobs énormes, super bien rendus, qui reproduisent la gravité d'ailleurs. Non, au début on avait des pixels tout crades, et c'était super compliqué de faire un jeu rigolo avec des pixels tout crades. Et c'est pour ça que Gato Roboto, puisque c'est le jeu qu'on va parcourir ce soir, m'a un petit peu tapé dans l'œil. J'ai vu le truc, j'ai fait... c'est un hommage à la scène indépendante, qu'est-ce qui se passe? Il y a un vrai jeu là derrière? Non, j'y crois pas. Alors c'est vrai que quand on voit ces graphismes, et encore là, vous voyez les graphismes du cover, qui mélangent un petit peu tous les personnages de la galerie, on se dit, oui, ça va être stylisé forcément. À un détail près, on est dans un mode rétro minimaliste, ce qui fait que le jeu est dans une résolution toute basique, qui est assez délirante, et il est en noir et blanc. Oui, en noir et blanc. Regardez-moi ça. Donc, bienvenue dans Gato Roboto. Moi, j'ai vu un chat, j'ai vu du robot, forcément, vous me connaissez, j'ai foncé. On m'a dit qu'il faut que je baisse un peu le retour d'audio. Allez, on va faire ça. Et donc on va découvrir ce jeu qui aurait tout de la petite chose indépendante qu'on va passer sur Steam et qui est parfaitement dispensable. Et peut-être que je vais vous convaincre que ce jeu est un petit peu plus qu'une démo d'amateur, puisque derrière il y a des noms de gens qui ont déjà un petit peu bossé dans la profession et qui s'avèrent absolument craquants. Oui, je manque pas d'objectifs pour un démarrage, je sais, c'est louche, mais... Venez, je vous emmène. Oui, alors, oui, vous êtes surpris? Bah, moi aussi, je l'ai été la première fois quand j'ai lancé le jeu, je suis arrivé là-dessus, j'ai fait « What the fuck ?» Les gars, ils ont fait un truc en noir et blanc, donc du pixel art, avec du pixel love, bien entendu. Ils ont respecté tous les critères épiques de l'époque. Alors, je teste un peu ce que je peux faire avec mon chat, hein, puisque je suis un chat ce soir. Ça fait partie aussi des critères qu'on fait que ce jeu, bah, forcément, m'a un peu éclaté. Et du coup, bah, je me suis posé des questions. Je me suis dit, non, c'est pas un petit produit hommage aux indés. Regardez-moi ça, comme c'est chiadé. Même les fleurs rigolent quand on passe dedans, elles nous chatouillent. C'est quand même un boulot qui a été fait par des gens qui savent un petit peu ce qu'ils font. Bah, il y a qu'à voir, je pense qu'il y a un cadre noir autour du split blanc du chat, par exemple, pour vous donner les secrets de fabrication. Et que derrière, il y a un pixel love sur ce pixel art qui est juste proprement hallucinant. Puisque, je vous le rappelle, à l'époque, la difficulté, c'était pas tant de faire un jeu jouable, puisque ça, à la limite, on s'en foutait, et ça se voit bien, mais c'était de faire un jeu qui ressemblait à quelque chose. Et aujourd'hui, amusez-vous à prendre un logiciel et vous mettre en deux couleurs, dans une résolution complètement pourrie, et dessiner des personnages qui sont typés, qui ressemblent à quelque chose, sur des cases de 16 sur 16. Ça a l'air bête, quand on le dit comme ça, ça a l'air complètement stupide. Mais je vous rappelle que j'ai un passif dans l'imagerie électronique qui est assez important et qui fait que je sais très très bien de quoi je parle. Et je vous garantis que symboliser des petits personnages, des éléments dans des 16 sur 16 avec de surcroît deux couleurs, c'est un défi de tous les instants. Donc là ça bouge, c'est magnifique, et on a ce chat qui va aller se faire les griffes, je crois. Alors, le titre nous souffle un petit peu que c'est un chat qui va être robot, forcément, à un moment ou à un autre. Bon, je peux pas passer là, d'accord. Oui, ça me revient. Alors, je rappelle aussi aux gens qui connaîtraient pas Monsieur K et The Big Gameovski, c'est que Monsieur K a des gènes de chat, hein. Donc, oui, je suis un vrai chat, je peux monter contre les murs, comme après les rideaux. Et ça, c'est la grande classe. Non, no way. Ah, fumier. Vite, cassons-nous de là. Je vous rappelle qu'on est un chat, donc. Alors là, c'est pas très très bien fait, je crois. Et non. Normalement, si tu sors de la flotte, tu passes au moins 3 quarts d'heure à te lécher soigneusement pour effacer totalement cet affront. Alors, ce jeu est gavé de petits détails, hommage à la période 8 bits, qui sont parfaitement craquants. Par exemple, pour l'intro, je sais pas si vous avez remarqué, ces voix de personnages qui ne sont pas des voix numérisées, bah, à votre avis, ça vient d'où? Ça vient qu'à l'époque, on avait des 5 ou 5 quarts dans les pires cas, des 3,5 dans les cas les meilleurs, et pour faire rentrer sur une disquette 3,5 pouces, il n'était pas trop d'actualité de mettre des vraies voix digitalisées, numérisées, de personnes pour raconter les longs et généralement très remplisseurs dialogues qui faisaient une aventure. Donc on avait pour habitude d'utiliser souvent quelques tout petits samples, vraiment réduits à l'extrême, qu'on modulait pour faire parler les personnages dans les jeux vidéo. Et rien que ça, c'est un petit hommage qui est vraiment très craquant. Oui, c'était la minute du vieux con dans The Big Gameovski. Ah, je vais me faire les griffes de partout. Alors, pourquoi j'écroche un petit peu aussi pour ce jeu? Bah, quand on me dit chat, puis que derrière on me rajoute robot, les gens qui me connaissent un petit peu, bah, savent qu'il y a un problème qui va se déclencher, quoi. Parce que les chats, bah, c'est ma vraie race, hein. Je suis pas humain en fait, je suis un chat déguisé en humain. Et les robots, bah, c'est ma petite Madeleine à moi qui m'amuse bien. Ne m'appelle pas Kiki, je vais m'appeler Wan. Wan comme le vrai et seul unique chat qui a été maître de cet univers. Et de quelques dimensions parallèles d'ailleurs. Et je suis un fucking chat robot, yes. Alors je peux sortir de ma combinaison. Je peux sauter et maintenant normalement je peux tirer. D'accord, il suffit de tenir le stick dans la direction où on va et ça va tirer dans la même direction. Tout de suspense. Là, je vais baisser un petit peu les retours. Et on continue notre exploration maintenant qu'on a un vrai chat robot. Trop bien. Alors, ce qui est assez délirant dans ce jeu, bah, c'est son... Ah, c'est une porte, ça. Ok. Le truc délirant dans ce jeu, c'est quand même son... la souplesse du pixel work qu'on n'avait pas à l'époque. Je peux pas casser ça. Et du coup, c'est assez perturbant d'avoir un jeu qui est quelque part un petit peu l'équivalent de Pitfall, ça regarde bien. Mais qu'à ce degré d'animation sophistiqué qu'on n'avait pas du tout à l'époque, tu vois. Et qui derrière va sans doute nous révéler... des finesses de gameplay qui n'étaient pas trop d'actualité quand on avait un pros qui en bavait à afficher 3 objets se courant après, alors qu'on avait d'autres soucis dans la vie. Oh là là. Alors la mauvaise nouvelle pour moi, c'est quand même une mauvaise nouvelle. Ah purée, c'est que les ennemis respawnent. Alors il y a une petite inertie dans le personnage qui glisse un petit peu comme Mario. C'est rigolo, mais pour moi c'est dramatique parce qu'en général c'est tous les gadins que je fais dans ces jeux-là. J'ai une trousse de soins. Oui, mais... elle est où ? Alors, je vais regarder dans le menu pause si j'ai pas des options. J'ai une carte. Une carte qui est vraiment le minimum syndical, on va dire. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Mon inventaire. Ah, inventaire qui va m'appeler à looter un petit peu, on dirait. Et mes options, bien entendu. Ok. On y retourne. Alors le respawn, va falloir s'en méfier comme de la peste, parce que pour l'instant j'ai des armes qui n'ont pas des inventaires comptés, donc c'est pas un gros problème. Non, je peux pas aller dans l'eau. Ah oui, c'est vraiment les déplacements à la Mario, si t'as une accélération, hop, tu sautes plus loin. C'est Mario with a gun. C'est assez difficile à exprimer pendant le stream. Je sais pas ce que ça a fait, mais oui, non, c'est un checkpoint. Il y a un petit côté jouissif du coup à avoir un jeu minimaliste à ce point-là, mais avec ce côté smooth dans les animations, les déplacements et ces murs en pierre qui me font chier. Oh là là. Ça fait partie un petit peu quand on a été des croutons du jeu vidéo, de ces jeux qu'on aurait aimé voir à l'époque, parce que rien que ça nous aurait épaté. Et puis alors, arriver à rendre évident chaque objet qu'on affiche à l'écran, c'est un challenge de tous les instants, hein. Repensez à ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est amusez-vous à faire un perso qui ressemble à quelque chose, juste avec 2 couleurs dans une case de 16 sur 16. Entraînez-vous, là je vous dis tout de suite, un pingouin, faites un pingouin 16 sur 16 de couleurs, on y va. Et oui, vous voyez bien qu'il y a un petit sous-sol quand même. Alors, il n'y a pas de retour caméra, mais là je souris, je vous le dis. Parce que je suis pas très fan de jeux inspiration rétro minimal 8 bits. Mais quand c'est bien fait comme ça... Ah, oh, la musique. C'était la salle du boss. Avec cette musique. Alors je vais pas m'étaler sur la musique. C'est une musique de chat. Il n'y a que les chats qui aiment ça. Moi j'aime beaucoup. Vous l'aurez compris. Alors le jeu a un petit côté apparemment Metroidvania, puisqu'apparemment je peux pas aller où je veux avec l'équipement que je veux. Et il faut que je quitte ma... Sweet, adieu, adieu à toi, combinaison de robot chat, pour aller nu avec mes poils tel le chat à l'aventure plus loin. Et je suis obligé d'aller dans l'eau. C'est parfaitement dégueulasse. Ah, il faut que je nage avec mes petites patounes pour remonter. Bon, la bonne nouvelle, c'est que je me noie pas, j'ai une très très bonne respiration de félin. Alors le jeu est vraiment très très marrant, parce que du coup, on a l'alternance entre deux gameplays, celui du bourrin avec la grosse armure, et puis je tire dans tous les sens, et celui du félin qui est capable de se glisser un petit peu partout. Normalement, je dois pas pouvoir passer au-dessus, je pense. Yes. Hommage à Super Meat Boy, attention. Eh oui, tout le monde l'aura reconnu. Je vous déconseille de regarder mon stream hein, sur Super Meat Boy, je l'ai fait uniquement pour faire rigoler les gens qui ne croyaient pas que j'étais un vrai boulet sur les plateformes. Bah, preuve a été faite sans la moindre difficulté. Qu'est-ce que c'est? Un checkpoint? Qu'est-ce que c'est? Un... je sais pas quoi. Un lance-roquette. Mais Kiki, tu vas ramener ce lance-roquette à ton armure? Oh, je peux même faire un rocket jump à la Doom. Ils ont été vraiment très très loin dans ce jeu. Je vais vous avouer, je crois que je suis en train de tomber amoureux de ce jeu. Ah, je vais boire un coup parce que trop d'émotions. Trop d'émotions. Je suis un chat, je suis un robot. Je peux tirer dans tous les sens avec ma mitraillette. Et maintenant, j'ai un lance-roquette. Comment la vie pourrait être plus merveilleuse? Un commentaire à dire, moi du présent? On t'entend pas, ouvre. Et... je suis bien d'accord. Je finis ma bière, on y reva. Bah oui, vous croyez quoi? Moi, je vais pas dans le système d'Antares sans prendre un stock de bière parmi eux. D'ailleurs, c'est ce qui sert à propulser le vaisseau quand il n'y a plus d'énergie. Alors, ça marche bien ce lance-roquette, dites-moi. Alors, mon opinion première, et alors que j'arrête. C'est rigolo parce qu'il y a un petit recul quand on tire les roquettes. Donc, dans les phases plateforme, il y a un moment, ça peut être assez dramatique. Imaginez que le sol par exemple c'est des flammes. Moi je fais ah, je me débarrasse ça, ah, je brûle. Ah, et mon lance-roquette a pas des munitions illimitées mais il chauffe. Voilà qui peut être un problème aussi, qui a dû être étudié dans... Ah non, ne fais pas le sketch de Super Meat Boy. On a passé l'âge. Putain, merde. Ce jeu va me torturer, je le sens. Du tir, de la plateforme, de la finesse de temps en temps, du bourrinage, l'autre de race du fond. On est fait pour s'entendre. Ah, mon rocket jump, je l'ai pas essayé. n'importe quoi. C'est génial. Voilà qui est fait. Je dois vous avouer que je suis assez subjugué qu'en 2019, devant un truc en noir et blanc, on puisse arriver à ressentir des émotions. Et je vous garantis, il n'y a pas le retour caméra, mais j'ai une grande barre de sourire. En plus des niveaux qui sont étudiés pour les parcourir dans un sens, puis dans l'autre, quand tu as acquis le skill supplémentaire. Oui, GG. Sauvegardons. J'allais me chercher une bière. Non, j'ai pas le temps. Ah, oh, zut. Là, ça va même être plus rapide que Squeak. Ça va être... Non! Oh mais je suis con, je me jette dessous. Qu'est-ce que c'est? Quoi, attends. Non, je suis pas là. Alors, il y a un petit truc qui est vraiment très traître, c'est que mon tir laser a une portée relativement moyenne. Et du coup, soit j'esquive comme un couillon, soit je lui fais sa fête. Voilà. Ah le con. Ça me dévie le fond du cœur. Donc, pixel art, choupi, mais pas que. Il peut être cruel ce jeu, je le sens. Et quand vous voyez les trucs qu'il fait, donc, entre les modulations, changer son perso, sortir de la combi, passer en mode de gameplay totalement différent, plus ce qui va nous attendre, donc ça je pense. Et ouais, regardez-moi ces emplacements vides. Je crois que ce jeu, présenté tout pas beau, selon les novices, nous cache pas mal de choses extraordinaires peut-être. Alors, faudrait qu'on puisse sauter les dialogues, ce serait bien. Ah putain de bordel de quoi? Non. Non. Mauvaise touche, Houston. Chaque fois je me fais avoir. Pourtant c'est les mêmes patterns. Mais non. Alors, je regarde le compteur du stream, 24 minutes, est-ce qu'on m'en verra plus? Je refais un essai rapidement, et si je perds, bah, on fera notre petite conclusion. rapide sur cet aperçu de Gato Roboto, qui est quand même une excellente surprise dans l'univers du jeu vidéo qui nous ennuie à coup de rendu en retracing. On y va. Je vais essayer de m'appliquer. Comment ça, vous n'y croyez pas? Regardez. Je commence à les mémoriser un peu, les patterns. Ah merde, j'ai oublié celui-là. Ce sont des choses qui arrivent. Good. Ah, ne touche pas le gars non plus, mais tu es con comme la lune. Et encore, la lune, elle n'est pas comme ça. Alors, le boss, pour le démonter, sa barre de vie, elle descend doucement quand même. Hein. Je veux pas faire le gars qui se plaint, mais... Ah, fausse manip, fausse manip. C'était pas la touche que je voulais toucher. Ça va pas être long, ça va pas être long, ça va pas être long. Ma mort est proche, ma mort arrive. Courage, adversité. C'est même pas la peine de tirer pour cette phase parce qu'il prend pas mes coups apparemment. Moi du futur, enfin moi du présent. Tiens-toi prêt. J'abdique, j'abdique. Ce boss était absolument méchant. Il n'est pas plus dur niveau patterns que le Robotnik du premier Sonic, mais voilà, je me suis fait avoir dans ma grande naïveté. Et j'aurais fait quand même ma mission avec succès pendant ce voyage, qui me mènera d'Antares à une prochaine destination que vous ne voulez pas connaître de toute manière. Et qui m'aura permis de vous faire pendant ce temps découvrir Gato Roboto. Un jeu qui, pour les rétro-nostalgiques, les fans de pixel art, je vous rends la main au présent. Je vous retrouve bientôt sur la chaîne. Non, vous y êtes déjà, mais vous êtes déjà abonné. Oui, vous êtes déjà en train de faire un concours. D'ailleurs, rendez-vous dans une dimension parallèle. Ciao.